Yeah. Yeah, cause we just skipped the whole season. Shit was inconvenient. Truth is, I haven't put away my fucking heater. Break out the AC Slater, get it. Hello les gens, c'est Koz et aujourd'hui on se retrouve pour un petit live en Hunger Games en compagnie de nos Mexicains, nos préférés, je les ai remis hein, pour le coup. Et aujourd'hui on va tester ensemble le kit Bigfoot, donc qui a été créé, enfin qui a été ajouté au kit hier, pour être précis, enfin hier, ouais. Hier, voilà, sponsor. Alors ça c'est débile parce que... Ouais, non, j'ai eu le temps, je suis très furtif, c'est pour ça que j'ai eu le temps. Et je vais tout de suite faire une petite tour de campeur au spawn. Je sais que vous aimez pas trop ça, mais c'est pour la bonne cause, vous allez voir. Et oui, je fais des jeux de mots, yala. Et puis vous allez kiffer tout simplement. Et je vous conseille aussi de tester ce kit le plus vite possible, parce que je pense réellement que ça va être pas cheaté. Parce qu'hier j'ai joué, je me suis vraiment bien amusé hein, avec ce truc. Par contre, what the fuck, les... Pourquoi je suis pas mais assis. Donc, Bigfoot, nous commençons avec un stack de terre, en l'occurrence. Deux steaks cuits et des bottes en cuir. Donc là c'est pas moi qui lag hein, c'est le serveur qui lag sévère. J'espère que ça va vite se régler. Ouais, ça lag sévère. Putain, mais t'es sérieusement, vous savez quoi comme problème, bande d'enculés. Voilà, je la repose, regarde, enfoiré. T'as fait tout ça pour rien. Et tiens, regarde, comme ça tu vas perdre ton temps. J'espère que tu te feras bien chier pendant tout ce temps de merde que tu passeras devant ton PC de merde. Voilà. Ils ont vraiment un problème avec ça. Sérieusement, les gens ont un problème sérieux. On va les consulter avec les tables de craft. Hein. C'est inquiétant, j'ai envie de dire. Lol. Bon, on va monter. Alors ça, c'est un Bigfoot. T'as un problème. Eh oui, enfoiré. Attendez, par contre, là, il y a un type. Ça, si c'est un Bigfoot, vous voyez, je suis mort. C'est un Bigfoot. Il faut dégager dans ces cas-là. Vous avez vu, ça fait mal. Hein. Bah là, ça va à la rigueur, parce que j'ai pas eu encore l'occasion de me faire allumer par un Bigfoot. Ça fait très mal. Hein. J'espère que là, au moins, vous l'avez vu. J'ai perdu 4 coeurs, et encore, elle était pas beaucoup plus haut que moi. Moi je vais allumer un mec avec en fait pour vous montrer. Oula. Ah bah attendez, lui. Qu'est-ce qu'il va prendre cher mon dieu. Plus il s'est pas visé. C'est la raison pour laquelle on va l'allumer. Par contre s'il me fait tomber. Bah l'avantage c'est que vous subissez pas de dégâts dessus. Donc là dans ce cas-ci c'est pas dramatique j'ai envie de dire si on vous tire dessus et tout. Boom. Bon, au moins ça c'est fait. Comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Ce que j'aime aussi c'est les mecs qui descendent très bas sous terre. Vous pouvez les allumer de la même manière. Là en l'occurrence personne n'est descendu. Mais j'ai déjà trouvé un trou et je suis sauté dedans. Boum. C'est réglé. Que le mec soit full. Aïe. Laisse-moi tranquille Patrick. S'il te plaît, Elliot. Voilà. Bon bah écoutez, on va profiter de ce petit moment pour se full faire. Aïe. Ouais, on va profiter de ce petit moment en essayant de pas avoir trop de problèmes. Vu qu'on est bien sous terre, de toute manière, je pense qu'on risque rien. Oui. Bah attendez, j'ai eu un truc dans mon coffre. Ah oui, ce qui est marrant aussi avec ces trucs là, c'est que vous pouvez faire un sort de leurre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, même s'il n'y a rien dans le four, vous pouvez les laisser allumer pour faire un piège, ou je sais pas trop quoi. Ah, ils sont cheatés les archers depuis, sans rire. Bon ça va, je pense que ça va aller assez vite quand même. Et je vais finir par me faire tuer par les mobs, ce serait une honte. Ce serait une honte. Oh, attendez, ça c'est un Bigfoot qui est descendu. Non, ça va.
Tac, tac, voilà. Si ça c'est un Bigfoot, je le savais. Ouais, il est là, voilà. Bon, faut lui régler son compte. C'est très inquiétant ce genre de situation. Je vais retourner à mon petit endroit pausé. En espérant pas avoir de soucis. Alors là par contre mon copain. Dégage. Morveux. Il m'a apporté de la bouffe, au moins ce type même pas. Il m'a même pas apporté de nourriture. Eh ben on va devoir se contenter de ce seul steak que j'ai. J'espère qu'il sera bon. Hop. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour le stuff, j'en ai suffisamment. Je vais juste me faire un pseudo. Ah, caca. Caca. Un pseudo, enfin un pseudo lave, puis un pseudo. Oula, 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 oula. Ouais c'est bon, j'aurais de quoi me faire un saut. Bah écoutez, on va remonter. J'ai entendu le zombie à ma droite, non, il y a personne. Voilà. Ah si, toi dégage. Bon, c'est parti. Je vais utiliser mon steak tout de suite. Là, vous voyez, là, il y a un Bigfoot, je suis dead. Oh attendez, ça c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'il fait? Il remonte. Il remonte et c'est lui le Bigfoot. Donc ça c'est très problématique. Ça va. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Est-ce que j'ai beaucoup de blocs? J'en ai plus excessivement beaucoup. Si, ça va. Donc ouais, bah si vous avez des blocs, essayez de les garder. Parce que plus vous êtes haut, plus vous faites de kills. Enfin, plus vous faites mal. Donc autant en profiter et garder ces blocs. Bon, lui, par contre, il m'emmerde. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup même. On peut pas lui régler son compte. Putain, cheater, c'est incroyable. Il a failli m'avoir. Trois fers, je ne peux rien faire avec. Ah ouais, hier je me suis battu contre deux cheaters, mais... Des mecs, deux mecs, imaginez deux mecs, vous me dites que je suis fort en PVP, hein, mais imaginez deux mecs, deux fois plus forts que moi, et à deux. J'ai joué honnêtement pendant 20 minutes avec eux. À la fin, j'avais plus de panoplie, tellement elle était HS. Et ouais, putain, j'en ai morflé. Là, pour une fois, j'avais vraiment, pour le coup, galéré en Hunger Games. Mais je les ai abattus, c'est l'essentiel. Ah, je kiffe ce petit bruit qui vous dit, qui vous rappelle que vous êtes puissant. Oui, non, oui, bon, ok. Jackson, qu'est-ce que tu comptes faire? Ah non, 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 wesh, non, non, non. No. No. Je pense que je l'ai dit assez clairement. No. Putain, ouais. Il y a un jour, j'étais... Je me suis fait tuer par un abonné et ça m'a gonflé. Il m'avait dit allié et tout, c'était pas cool. Enfin bref. Puis de toute manière, j'aime pas les alliés parce que la boussole ne pointe pas autrement. J'aurais honnêtement rien contre le fait de faire allié, mais ça pointe pas et c'est assez emmerdant. Et assez handicapant surtout.
Bon, Girl Game, c'est pas que tu nous emmerdes, hein, mais ouf, qu'est-ce que tu fais, Jackson? Emilien, qu'est-ce que tu comptes faire ici? Ah, j'avais peur que l'autre me saute dessus, mais ça va. Ah oui, si vous avez un doute là-dessus, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de garder les bottes en cuir pour gérer le Bigfoot, en fait, hein. C'est en option. Enfin, c'est un cadeau, quoi, au départ. Attendez. Là, il y a des petites popos bien sympas, ça va m'aider à gérer un full fer. Voilà. Peut-être y en a-t-il d'autres, non? Les blocs, je vais peut-être les prendre. À la place de toute cette merde. Ouais, bon, ok, c'est bon, parce que là, ça me gonfle. Ah bah, pour une fois, j'avais oublié de faire l'épée en fer. Stand 2, est-ce que... Oui, ah, ça, c'est nickel. Bon, bah, c'est parti. Enfin, on continue. Ah oui, ça, je savais pas, il y a quelqu'un qui m'avait dit... que ça se place au-dessus, en fait, l'eau, mais c'est depuis quelle mise à jour, en fait, parce que... J'ai jamais vu ça, quoi. Et alors, je voulais vous poser une question. Probablement que 89 234, probablement que vous connaissez, vous, parce que moi j'ai cherché très longtemps, j'ai pas trouvé. Dites-moi que c'est le coffre, ce serait super cool. Oh putain, je vais me faire taper là. Là, je vais me faire taper, c'est sûr. Non, non, pourquoi t'as fait ça, mon père? Aïe, aïe, aïe. Non, oui, c'est bon. Donc, je voulais savoir, vous avez probablement déjà vu, je retire ça, un mode qui permet d'avoir les blocs comme ça de terre remplis. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rempli. C'est-à-dire que cette partie, cette face-là du bloc, donc celle où il y a l'herbe, qui est partout, comme ça. Bon, certains qui ont le mode verront ce que je veux dire. Si vous connaissez le mode, bah, vous serez gentil de me le dire dans les commentaires, parce que j'ai cherché longtemps et je pense que c'est pas très très lourd en ressources, donc assez facile à mettre, on va dire. Même si mon ordinateur c'est pas une bête, je pourrais mettre ce mode. Donc bah, si vous savez ce que c'est, je serais content de savoir ce que c'est. Ah, j'ai même pas équipé le casque en diamant, vous m'aurez crié dessus dans l'espace commentaire. Donc voilà, si vous connaissez ce mode, bah, dites-le moi, ça serait super cool. Oula, oula, là, là, oula, là, là, oula, oula, là. Qu'est-ce que tu fais là? Pauvre type. Mais ils servent à quoi ces types concrètement dans le Hunger Games? Parce que là, il avait une boussole. Voilà, c'est tout. Bon. Tum tum baraka. J'aimerais bien lui faire un petit coup de Bigfoot. Oh oui. Ah putain, l'avantage des popos de vitesse, quoi. Là on l'a vu clairement, hein. Le recul qu'il prend, c'est sévère. Six flèches, ça vaut pas trop le coup de mettre l'arc dans notre inventaire. 1 minute 07, et je vais peut-être prendre son truc au cas où je m'enchante pas bien. Ça, ouais. Non, stack, c'est bon à garder. Ouais, bon, écoutez, j'ai trop de caca, je m'y retrouve plus. On va garder tout ça. J'aimerais bien encore tuer un mec avec le Bigfoot. Mais genre sérieux. Gargame, du coup, il est encore dans la partie ou non, le mec qui voulait aller tout à l'heure? Ce pauvre type est mort. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai pas regardé, peut-être qu'il avait des bottes, le mec, tout à l'heure. Ne reproduisez pas ça chez vous, je vous remercie. Bon, Jackson, où es-tu? Sir Jasmine Peck. James Gag.
La table d'enchante, on va pas aller la prendre, on va se battre contre un mec qui sera relativement complexe à tuer. Ah oh, putain, attendez, je vais lui faire croire quand même ce que j'ai envie de... Puis quel con. Alors lui, il va se manger le Bigfoot. J'espère honnêtement qu'il sait pas ce que c'est que le Bigfoot. Allez, viens, viens, s'il te plaît. Sérieusement, je pense genre je suis trop cramé. Il va jamais venir. Au pire des cas, s'il vient pas, on va lui casser la tronche en bas. Et de la TNT. Non. Ah, il me l'a mis aussi dans tous les cas. T'es foutu. Yeah. Ah, par contre, lui, il avait des bottes en fer, mais évidemment, elles sont foutues dans toute cette merde. Ouais, ça. Ça, je... Non, j'ai acheté mon pseudo. Ça, c'est pas très futé. Putain, ils ont des TNT, quoi. Terroristes. Bon, peut-être qu'un jour on aura les bottes. Hein. Je pense que voilà. Et sa popo vitesse, peut-être. Je suis plus en vitesse web. Hein, je vais la prendre. 1,30, 1,30, ouais. Pff, on s'en fout parce que c'est chiant. Ah, oui, je dois comprendre. En fait, c'est sûrement parce que. Parce que bah, le kit gratuit aujourd'hui. Non, c'est toujours Joker Pro. Je me disais merde, pourquoi j'ai autant de popo de vitesse? Donc d'ailleurs, putain, Joker Pro, je vous ferai peut-être une vidéo aussi avec, parce qu'un jour, je me suis pris le piège d'un Joker Pro. Ça m'a laissé un demi-cœur. Enfin, c'était, ça a l'air d'être un kit sympa, si on fait des petits pièges cool. Ça peut être sympa. Bon, Emilien, t'es où, là? Jackson, où es-tu? Slash iPad, donc ça fait combien de temps que je filme? Ah, c'est chiant, maintenant, faut monter 16 minutes. Oh, putain, dans la crevasse, je vous en prie. Oui! Alors là, les gars. Il m'a spot. C'est bizarre, ces bugs. Même si là, bah on va voir par rapport au nombre de blocs que je vais perdre en montant, même si là c'est pas forcément beaucoup de blocs d'altitude, ça laisse clairement l'avantage hein, de retirer. Je pense que je vais retirer 3 coeurs et demi, 4, un truc comme ça. Ça laisse clairement l'avantage par la suite. Donc j'ai remonté de 20 blocs. Donc honnêtement, je me mets à l'aise parce que j'ai mal aux fesses là. En plus ma chaise grince, donc ça c'est désagréable pour les vidéos. 47 boussoles, pas de jour aux alentours, ça c'est très fâcheux. Très très fâcheux. Yo la vache. Bitch. Loupiote. Loupiote. Ah oui d'accord, loupiote. 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 Oula, attendez, là ça sent la team et le saut de lave surtout. Ça va pas être tâche facile on va dire. Bah attendez, au pire j'ai des V2. Enfin des vitesses 2. Ouais, je préfère faire ça, ce sera plus sympa. Je risque de m'en sortir plus facilement avec la V2 qu'avec l'arc. En plus, la table d'enchant a spawné, du coup. Doit être posé, les mecs. Enchanté et tout. Mais l'avantage toujours des teams, c'est qu'ils savent pas là que je les traque. Donc je vais certainement pouvoir mettre 2 ou 3 coups d'avance à un type. Oula.
Bizarre ça. Ça va, j'ai assez géré mon truc parce que je vous cache pas qu'il avait clairement l'avantage là. Ah putain, ça c'était débilos mentalos. Si j'avais pris plus de temps à récupérer l'épée et qu'il y avait un type qui m'attaquait, j'aurais été dans la merde. Ouais bon, c'est bon, je pense que j'ai tout pris. Non, la table d'enchant peut-être ça serait... Ah, j'ai jeté. Merci. Merci mon bon monsieur. Aïe. Non, non, non. Pff. Heureusement que j'ai encore géré le truc là, parce que honnêtement... Régène... Oh putain, régène 2. Oula, oula, oula. Ah mais la régène 2, ma pauvre, c'est cheaté, hein, tu peux rien faire. La régène 2, c'est carrément cheaté. Ça, je vais la garder la pioche parce que j'ai acheté la mienne tout à l'heure. Voilà. Soin. Instant heal. Enfin, instant heal, non. Bon. Bon, là, on va arrêter de traîner ici parce qu'apparemment, ils aiment pas. J'apprécierais. Ça grince, la chaise. La chaise grince, counter. Bon. Pas de joueurs dans le tour, ça aussi c'est fâcheux, merde. Ah, 8 minutes, bon ça va. Protection projectile, c'est emmerdant. Bon, c'est parti, espérons que ça pointe assez rapidement, parce que là, ça va me gonfler, j'aime pas du tout. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je suis sûr que dans leur plugin, ça prend pas excessivement de temps de juste changer que ça pointe à genre 600 blocs au lieu de 300, et ils le font pas. Enfin, ça fait que retarder le jeu, finalement. Ah, pff, cool, ça va, c'est rassurant. Junchi Ankaku, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'être des noms qui se ressemblent. Espérons qu'ils sont en dîme. Genchi. Bon, visiblement il est solo. Ça a pointé personne d'autre pour l'instant. Genchi. Genchi. Bon. C'est pas que t'es loin. Oula. On va sauter au-dessus des arbres et dès qu'on le verra, boum. Oh la vache! C'est quoi ces conneries? C'est un full zombie, sans déconner. À droite qui m'a mis. J'ai perdu la moitié de ma vie. Putain, ce zombie, il utilise un shit là et tout. Bon, Genchi. Hein? C'est pas que... Mais voilà. Il doit traquer l'autre et du coup c'est pour ça qu'il avance, je pense. C'est n'importe quoi, les temples de la jungle ça spawn n'importe où. Enfin non, là ça va, c'est un peu dans la jungle. D'ailleurs au passage le bloc Moutsé est très très beau avec ce pack de textures. Ah si, je savais que c'était une team. Je me disais bien que ça y ressemblait.
Bon. J'ai une régène ou pas, j'ai ça qui pourrait m'être utile durant le combat. D'accord. Ah, j'ai envie de le tuer avec la potion de dégâts. Mais c'est à peine trop cramé que vous êtes là. Oh là là. Et c'est un fou, wesh! Je vais me faire gérer. Trop simple, trop zizi mon pote. Bon, ça c'est fait. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas beaucoup montré le Bigfoot, parce que j'ai pas trop eu l'occasion. C'est vrai que j'avais fait une partie où j'avais fait full ça, c'est-à-dire que je montais à chaque fois sur une tour et j'attendais au spawn. Mais c'est pas, on va dire, ce qu'il y a de plus palpitant. L'essentiel, c'est que vous compreniez un petit peu le principe du Bigfoot. Et c'est de vous prouver que c'était un kit cool quand même, parce que j'ai pendant quelques combats, j'ai eu l'avantage grâce à ça. Hein. Bah sur ce, écoutez, bah je vous dis ciao. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, la commenter. Et oui, et surtout, commentez s'il vous plaît. Dites-moi le nom du mod, ça serait super cool. Et bah, sur ce, je vous dis ciao. Portez-vous bien. C'était Cause.